Bonjour à toutes, ici Skagarasa. J'espère que vous allez tout bien. Alors, je me suis dirigée vers ce point. Et on est à l'épisode 29 de Dragon Quest Build 2. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on est parti pour chercher la dernière fleur. Oui, mais non. Okay. Alors. Hop. Hop. Alors, c'est parti. Puissante fleur rose de l'Alliance apportera la vie sur cette vie que l'on verra loin à l'Onzo. Et voilà. Alors, je sais qu'il y a des combien à battre. J'essaie de plus vite. Et là. Et voilà. Alors. Ça lag. Ouais, très bien, ça fait une autre série de grains dans le sac. On les a trouvés tous les trois. Remercions le gluant et rapportons-le à la ferme. Je remercie jamais moi. Et voilà. En vrai, comme ça, au moins, on se dépêche. Je sais qu'il y a des fourmis à battre. Mais bon. Ça va. Merci. Content de te revoir. Je vois que tu as des graines de coralline. Là qu'on a les trois types de fleurs. J'ai toujours su que les bâtisseurs apporteraient de l'espoir et de la joie. C'était comme ça avec les bâtisseurs originels. Et c'est pareil avec toi. Les bâtisseurs n'apportaient pas le désespoir et la désolation. C'était un mensonge de résidu de chaos. Et si quelqu'un sème le désespoir, si c'est bien eux. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourquoi tout le monde a cru un mensonge comme ça ici? Avant l'arrivée du bâtisseur et la construction du vénérable originel, il n'y avait rien du tout sur cette île. Les gens vivaient dans le luxe, c'est sûr, mais leur vie était paisible. Mais avec le vénérable, les humains ont changé. Oh, cette histoire me dit quelque chose. Les gens ont commencé à se battre pour avoir la plus grosse ferme et pour ce qu'il y ait ferait pousser. La paix et la tranquillité ont laissé place à leur peur et à la haine. Voilà pourquoi les hérétiques de chaos ont détruit le vénérable et ont proclamé cela. Que le bâtisseur avait fait le vénérable était maléfique et ils avaient semé la désolation et le désespoir sur l'île. C'est vraiment stupide de penser ça. Quand le vénérable est mort, personne ne les a forcés à perdre espoir, c'était leur choix. Bertie Philippe Père, hein, même le barbu là, vous vous êtes relevé, vous avez même appris à apprécier la construction. Il y a des hauts et des bas dans la vie, c'est comme ça, mais l'important c'est de savoir bien réagir, pas vrai. Malheureusement, je le pense aussi. Allez, Sky, le vénérable est presque terminé. Finissons le plan et seulement les fleurs que tu as trouvées. Ouais. Allez, finissons là. Pourquoi je mets de l'eau aussi? Genre là. Ça attaque.
train de t'amender. Superbe, le vénérable égorgé d'eau, pur comme le cristal. Ah, c'est vraiment magnifique, ça élève l'esprit et ça apaise l'âme. Oh Sky, en tant que figure paternelle, non, fraternelle, non, maternelle, je suis très fière de toi. Au fait, Sky, je voulais te demander quelque chose de personnel. Lorsque nous aurons fini notre mission ici, prête, je t'accompagnerai sur ton île, je ferai ravi de t'aider à faire pousser des jardins et de la verdure chez toi. N'hésite surtout pas à dire oui, jeune fille, et ne quitte pas Merchant sans venir me parler, d'accord? Mais revenons-en au mouton. Fais ce que tu as à faire pour terminer le vénérable. Ne me fais pas attendre. Je sais. T'inquiète pas. Bon, voilà, Sky, maintenant que les blocs de bois céleste sont placés, le plan est terminé. J'ai du mal à y croire, il y a peu de temps, je voulais détruire tout ce que je voyais, et maintenant, j'ai aidé à créer quelque chose de merveilleux. Ça a été une aventure incroyable, mais on voit la lumière au bout du tunnel. Le vénérable est presque terminé. Il ne manque que la touche finale, Sky, tu voudrais bien semer 4 graines entre les blocs. Merci Sky, merci bien. Les corails sont en fleurs et sentent sacrément bon. C'est le troisième et dernier type de fleurs. Est-ce que ça signifie que notre vénérable est terminé? Oh oui, on a réussi. Je rêve de ce jour depuis si longtemps. Ah ah ah, je suis content pour toi, Bertie. Je pensais que tu aurais jeté l'éponge il y a bien longtemps. Je n'aurais jamais abandonné mon rêve, Malrotte. Après tout, j'ai toujours voulu restaurer la vie sur cette île. Et en plus, le pâtre Hack nous a dit de... jamais laisser tomber nos rêves. C'est un mot que tu aimes. Tu parles de tout le temps de rêves. Quoi qu'il en soit, on a réussi au final. Pas vrai, on est parti rien et on a tout un nouveau vénérable. C'est quasiment la fin. Regardez tous, les fleurs ont rendu le vénérable encore plus fort. Vous sentez ça? La brise est plus forte. Youpi, on a réussi, le vénérable est terminé. Oui, il repousse le vent mauvais, la vie reprend ses droits autour de nous. C'est incroyable qu'on ait reconstruit ça en partant de rien, c'est incroyable Sky. Mais on n'a pas fini quelque chose, mais dit que ce vénérable ne nous manque pas tous ses pouvoirs. Et si nous utilisons l'eau vitale pour rendre le vénérable encore plus fort? Oui, si on pouvait arroser le vénérable d'eau vitale, son véritable pouvoir serait libéré. Ok, mais où va-t-on trouver une feuille de vie dont Sky a besoin pour en faire? Sans ça, on est coincé. J'ai ma petite ancienne belle-sœur a utilisé cette feuille pour renforcer le vénérable. Alors peut-être que là-bas, Wain l'a pris, il a rendu l'arbre tout toxique. Ce monde se mérite une belle leçon pour ce qu'il a fait au pâtre A. Pas le choix, il faut le combattre et gagner. Hein? Mais c'était quoi ça? Justement, c'est le temps de la bataille. Alors, on va se soigner. Je vais sauvegarder. Comme ça, on n'aurait pas besoin de tout reprendre si... Voilà. Et c'est parti pour la baston. Je ne sais pas si tu sens ce qui... arrive Sky, mais moi oui, là-bas moins approche et il vient pas pour voir du thé. Quel imbécile, pas vrai, on voulait lui flanquer une bonne raclée et en plus de le chercher, il faut juste vaincre les monstres à son service. Alors t'es prête pour casser du monstre, oui.
Super, quand on aura tout ce gagné, on fera une grande fête pour célébrer la construction du Vénérable et la défaite des méchants. Allez, on commence. Arrêtez! Je peux même pas battre! Allez. J'ai pire ça. Mais... Allez. Allez, pardon. Allez. Mais pourquoi t'attaques pas? Ça, pourquoi qu'il attaque pas? Et voilà. OK.
Ok, là, ça va être l'heure du vrai combat. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se trouve prochainement pour la suite de Dragon Quest Builder 2. Allez, je vous fais des gros bisous, bye!